Donc, je m'appelle Marion, je suis violoncelliste avec un parcours classique. Donc, j'ai fait le conservatoire, après j'ai fait des études en Allemagne et puis j'ai fait un master d'interprète, de musicien-interprète au Conservatoire supérieur de Lyon. Et depuis 2 ans, je sors un peu du classique. Jusque-là, j'étais beaucoup dans les orchestres et là, maintenant, je développe des projets tierces qui touchent la musique actuelle également. Alors oui, les musiques, c'est que des compositions personnelles. C'est inspiré, alors purement musicalement, il y a évidemment beaucoup d'inspiration classique. Et après, c'est des événements de vie. Donc il y en a une qui s'appelle Braise, par exemple, parce que pendant les confinements, j'ai habité en Bretagne pendant un an. Donc voilà, il y a des oiseaux, il y a certains effets qui m'ont été directement inspirés des paysages que j'avais. Il y en a une, c'est l'histoire d'une... C'est une musique de court-métrage, donc c'est l'histoire d'une autiste. Il y en a une, par exemple, que j'ai pas jouée aujourd'hui, mais qui est inspirée des migrants et de leur parcours, notamment en Méditerranée. Donc aujourd'hui, ça prend encore plus d'ampleur. Et l'annulation, c'est ma vie, c'est un morceau de vie où ça a été compliqué et où j'ai décidé d'annuler ma vie. Donc c'est un morceau qui est très joyeux et qui donne espoir. Voilà, je m'inspire en fait de ce que je vis, tout simplement. Moi, je suis profondément humaniste et je trouve que le monde dans lequel on vit évolue pas forcément très bien. Et ça me tient à cœur, à travers ma musique, de transmettre des émotions, de réveiller et de dire au public, c'est OK de ressentir des choses, d'être touché, d'être fragile. Et parce que moi, je suis passée par là et je m'en sors très bien. Enfin, en tout cas, j'essaye et en fait, je m'en suis sortie parce qu'on m'a tendu la main. Et je crois qu'aujourd'hui, la solidarité, l'entraide, la fraternité, c'est des valeurs qu'on a un peu oubliées. Bien sûr, l'art est une thérapie et j'essaye d'écrire mes musiques pour que ça soigne. En général, c'est toujours des moments, vous me posiez la question tout à l'heure, quand je compose, c'est toujours des moments où ça va pas très fort et c'est vrai que ça sort en fait. Je m'exprime à travers mes musiques. En tout cas, elles me soignent moi, c'est un début. Et oui, l'art, que ça soit la peinture, la littérature aussi, le cinéma, oui, tout art provoque des émotions, donc par essence guérie.
suite, il y a un tournage de clip qui arrive. Il y a un... Donc ça, c'est pour le projet solo Coquille. C'est mon nom de scène. Il y a un tournage de clip qui arrive. Il y a un EP, donc un album 5 titres qui va sortir sur les plateformes d'ici 2 mois, normalement. Je suis en train de plancher dessus. Je suis en autoproduction, donc voilà, j'apprends sur le tas. Et ensuite, le spectacle va grossir. Je ne peux pas vous en dire plus, mais là, on est en train de chercher des financements et des résidences, justement, pour habiller tout ça, on va dire.